Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'ouvrir ce succès Génération Star Wars et Science-Fiction 2017 en votre compagnie. C'est la première petite conférence, rencontre entre guillemets, à laquelle on vous convie au cours de cette célébration de Star Wars en particulier, de la science-fiction en général. On est ravis de le faire sous les conditions que nous accueillent aujourd'hui, en comparaison de ce que l'année dernière nous avait réservé, je crois que c'était la suite. Donc bienvenue pour cette rencontre où nous allons parler l'aubergine et la petite fête. C'est pas celle-ci, non ? On va couper ce micro. On va parler de comics, on va parler de comics Star Wars en particulier, on va parler de comics Star Wars publiés notamment au sein du catalogue Delcourt, lorsque nos amis de chez Panini vous serviront effectivement tout à l'heure l'ensemble de leur programme à venir sur les mois qui viennent pour l'année 2017 qui reste. Vous savez que c'est une année un petit peu, vous savez que vous ne savez pas, c'est peut-être une année charnière en fait, puisque c'est une année où doivent se décider la reproduction ou non de contrats, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne avec Disney. Pour être très très clair, un certain nombre d'informations ne sont pas encore disponibles ou communiquées, et on ne sait pas aujourd'hui, concrètement, de quoi 2018 et les années suivantes vont être faites. Ce qui veut dire qu'un certain nombre d'informations qui nous sont données aujourd'hui et qui sont présentées restent de l'ordre du spéculatif, c'est-à-dire rien n'étant encore signé officiellement, ni chez les uns ni chez les autres, ni chez les Delcourt ni chez les Panini, et bien voilà, on a des tendances, on sait un petit peu comment les choses vont évoluer, et on va donc se concentrer avant tout sur la fin de l'année 2017 d'une part, et puis sur ce que pourrait nous réserver comme une surprise et comme une surprise l'année 2018 et les années qui arrivent. Ok. Donc il y a une forme de. Ça sera peut-être ça. Mais on n'en est pas encore sûr, on pourra en être sûr que lorsque les choses seront entièrement terminées avec les liens droits de Star Wars et Disney. Voilà, si je voulais juste préciser ces choses-là en préambule, de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion pour ce qui est de l'avenir. Alors, je me suis amusé en fait à intituler cette conférence. Elle nous sait. Ouais, s'il veut. L'univers Star Wars légende, serait-il, c'est du conditionnel, plus intéressant que la chronologie officielle, pour l'interrogation. Bon, comme vous l'avez compris, on se pourrit beaucoup et on s'entend pas bien du tout avec les gens de Panini. Non, il faut juste l'avouer et faire aussi un petit bilan, puisque j'évoquais effectivement ce qui est censé se produire sur les années à venir. Les trois années précédentes ont été des années où les choses se sont particulièrement bien placées entre une séparation du marché avec les nouveaux comics de Star Wars Marvel qui sont gérés par nos amis de Panini ainsi que le magazine Insider et un certain nombre d'autres magazines. Et puis nous, on a pu travailler en profondeur depuis maintenant. Plus de 15 ans, je dirais de manière générale, et plus particulièrement depuis 2 ans et demi, sur cet univers légende. Qu'est-ce que c'est que cet univers légende ? On m'en avait parlé il y a 2 ans déjà, et c'était la façon qu'a eu Disney de rendre un certain nombre de récits préexistants, comme n'appartenant plus à la chronologie officielle des événements Star Wars. Je crois qu'il y a 2 ans, les termes que j'avais utilisés, c'était pour parler de ces récits situés au sein de l'univers légende. Est-ce que ça rend ces récits moins intéressants ? Est-ce que ça rend ces récits complètement caduques ? Il y aura peut-être des questions et des réponses tout à l'heure apportées à ces questions-là en complément. Rien que de poser la question comme ça, ça nous amène déjà une réponse induite qui est en l'occurrence que ça ne rend absolument pas ces récits moins intéressants. On va même pousser le bouchon un petit peu plus loin, c'est qu'on se rend bien compte aujourd'hui que ce soit les gens dans le comics chez Marvel ou d'une manière générale, les personnes qui produisent des films Star Wars et tout ce qui entoure la licence Star Wars, mais toutes ces personnes vont piocher allègrement dans ce qui avait déjà été fait pour ramener des personnages au fur et à mesure et puis les intégrer à la chronologie officielle, ce qui prouve bien que la valorisation pure des récits des personnages qui furent développés au cours des 40 dernières années elle reste là en tant que telle, elle reste un puits sans fond de créativité et d'idées intéressantes avec lesquelles on va pouvoir avancer. Comment est-ce que jusqu'à maintenant on est parvenu à gérer cette licence de Star Wars Légende ?
Et bien effectivement, 2017, alors ça ressemble un peu à un slogan électoral, je me suis amusé aussi, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu dans une période, on est entre les deux tours, voilà, entre les deux tours de l'élection que Disney choisira de faire entre Tamini et les tours. Ou pas. Et 2017, en ce qui concerne effectivement la manière qu'on a eu de présenter cette licence Star Wars Légende, elle s'est extrêmement bien passée, au même titre que les deux années précédentes, et ça s'est fait de manière tranquille, avec beaucoup de matériel disponible, avec des reformulations dans lesquelles je vais vous proposer de voyager maintenant. Star Wars Légende, pourquoi est-ce que c'est un univers intéressant? Il ne s'agit pas, vous l'aurez bien compris aujourd'hui, pour moi, de vous dire que cet univers légende est plus intéressant que l'univers, entre guillemets, officiel développé par Marvel depuis quelques temps. Mais simplement, on a effectivement, au niveau quantitatif et qualitatif, un univers complet qui préexiste, dans lequel on peut aller piocher un certain nombre de récits. Et ça a été le cas sur ce qu'on a fait sur la partie comics légende lors du chez Delcourt. Et ce qui était à notre disposition, c'est un univers complet de comics, de séries, dédiés à des personnages, dédiés à des morceaux d'univers, et surtout qui, en termes chronologiques, nous permettait de nous étendre bien au-delà, aujourd'hui, de ce que permet d'explorer l'univers standard officiel développé par Marvel. En l'occurrence, cet univers nous propose des récits qui se situent bien longtemps avant l'ensemble des films que l'on connaît dorénavant, un certain nombre de récits non négligeables qui se passent pendant toute cette période des films eux-mêmes, et puis on est allé bien au-delà aussi en termes chronologiques de ce qui se passait effectivement après l'Empire, après la chute de Palpatine, puisqu'on avait depuis très longtemps déjà installé ce qui apparaissait comme étant les épisodes 7, 8 et 9 officieux, avec le cycle de Thrones, qui était une adaptation en bande dessinée du roman de Timothy Zahn, de la fameuse trilogie de Timothy Zahn. On avait également l'Empire des Ténèbres, qui intervenait après, et qui voyait le retour, la clone de Palpatine. On avait l'Empire Écarlate, qui était aussi une espèce d'épisode 9 qui ne disait pas son nom. Alors c'est vrai que depuis que Disney a remis et rebattu un petit peu les cartes et remis les choses à plat, eh bien on a une autre continuité qui se dessine, et qui n'empêche pas ils allaient chercher effectivement des personnages. Alors je viens d'évoquer juste le cycle de Throne, et Throne, de manière à le smoke, Throne est vraiment l'exemple flagrant d'un personnage qui est censé ne pas appartenir effectivement à l'univers officiel, puisqu'il est au sein des comics Legends, et finalement on le voit pointer le bout de son nez dans Rebels. Comme quoi, lorsqu'on a un bon personnage, qu'on a des bons concepts, et qu'on a des belles choses, il n'y a rien d'empêche de les utiliser, et de faire cette fois-ci passer du côté obscur vers la lumière, du côté légende, vers l'univers officiel. Donc ça, c'est la première chose, on a vraiment un univers qui est extrêmement complet, on a toujours des équipes artistiques de premier ordre, c'est l'occasion pour moi d'accueillir officiellement aujourd'hui sur cette session de Génération Star Wars la présence de Gary Erskine, Gary qui dessine depuis une vingtaine d'années un certain nombre de récits Star Wars, notamment X-Wing Rogue Squadron. Et Gary est aujourd'hui en train de dessiner, là, il n'a même pas pris le temps de finir son sandwich, il est déjà en train de sketcher sur des albums X-Wing, et le fait de pouvoir accompagner depuis maintenant plusieurs années les auteurs Star Wars de comics ici pour les accompagner, tu sais, c'est un vrai plaisir. Et Gary Erskine, est écossais, vous attend à l'espace Camino, comme vous voulez, tout à l'heure, suivez-moi tous, et puis ça sera autant d'albums achetés sans ramener. Ces équipes artistiques, effectivement, se sont déployées sur un certain nombre de séries qui se situent avant, pendant ou après l'Empire. Je vais juste citer quelques noms de mon particulier qui sont parmi les gens qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici jusqu'à maintenant. Il y a eu David Fabry, qui ne sera pas sans revenir très probablement, qui continue à avoir tourné sur un de festivals pour le travail qu'il a organisé sur Star Wars. Doug Wetley, qui était là il y a quelques années et qu'on a retrouvé aussi en France puisqu'il était l'invité d'honneur du festival de Chambéry pour sa 40e édition d'octobre dernier, il avait même réalisé l'affiche. Yann Ursena également, qui a réalisé énormément de récits de la série Clone Wars ou bien de la série Legacy. Gary, qui est le dernier avatar l'ensemble des auteurs qu'on a le plaisir de pouvoir accueillir. Et ce n'est pas fini, puisque, compte tenu du nombre d'épisodes préexistants dans ce domaine-là, on a pléthore d'auteurs et d'artistes à continuer à vous présenter pour des années qui viennent. Et puis le programme lui-même, on espère
qui est particulièrement varié et qu'on espère qualitatif et fourni. Et le fait qu'aujourd'hui, bon nombre de lecteurs continuent à nous suivre sur ces récits qui ne sont pas officiels puisqu'ils appartiennent à l'univers légende, prouve qu'on n'a pas forcément fait les mauvais choix. Ce programme, comment est-ce qu'il se décline justement ? Il y a à la fois un petit peu de rappel ici, et puis également on a quelques nouveautés qui vont vous être annoncées sur ce qui va être vous présenté, notamment, hein, je le rappelle, jusqu'à la fin de l'année 2017, puisque au-delà, on n'a pas encore une visibilité complète et avérée. Au sein des séries classiques, on l'évoquait tout à l'heure avec Yann Ursema, oui, la série Clone Wars, c'est une série qui se passe exactement pendant les périodes des films et des empires, situé après l'épisode 2. On est en train de rééditer depuis quelques temps l'ensemble de cette série, qui connaîtra sa conclusion, a priori au-delà de 2017. Mais, encore une fois, rien de signé. Les autres séries classiques qu'on a le plaisir de vous présenter sont la suite et la fin aussi de réédition de la série Chevalier de l'Ancienne République, KOTOR en anglais. Et puis, on poursuit de temps en temps, lorsque les récits sont de qualité, la série Le Côté Obscur, qui, comme vous le savez, est une série qui est dédiée aux grands méchants de la saga. On a le plaisir d'accueillir pas mal d'albums dans cette série qui sont dédiés à Dark Vador, bien sûr, mais aussi à Boba Fett. Et puis, le petit dernier, publié juste au toute fin de l'année 2016, qui est dédié en fait à Dark Maul, qui présente une particularité, je pense que vous le voyez tout de suite à l'écran ici. Depuis 3 ans, c'est probablement le seul album chez nous qui ne porte pas la mention légende. Enfin, tout simplement parce que le récit qui figure dans cet album-là, aussi étonnant que ça puisse paraître, est un récit qui, lui, a intégré complètement la continuité des récits officiels Star Wars récents et qui donne toutes les clés de compréhension de la raison pour laquelle Darth Maul n'est pas en réalité complètement mort dans le premier trilogie. Et là, en l'occurrence, ce récit est complètement canon, ne prend pas la mention légende, la demande de Disney aussi, parce que c'est un récit qui est complètement officiel et qui s'intègre complètement au milieu des récits que présente Panini par ailleurs. Les autres séries classiques, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec parfois des couvertures qui sont à changer, améliorées, remises à jour. Legacy, dont on va continuer la réédition également, puisque c'était une série créée par Ostrander et Ursema, avec encore à ce jour 3 albums à paraître entre la fin de 2017 et au-delà. Et puis il y a les séries qu'on appelle les séries dites inédites, avec un gros bug d'affichage là on voit sur le volume 2, mais c'est pas bien grave. On a, lorsque l'on a signé avec Disney, créé au moins 2 nouvelles séries. C'était la série d'une part qu'on a choisi d'intituler L'Ordre Jedi, qui nous a permis de récupérer un certain nombre de récits qui mettent en scène les membres du Conseil Jedi lorsqu'ils sont regroupés pour un certain nombre de missions. Jusqu'à ce jour, on a publié 3 volumes dans cette série et un 4e est en préparation, qui sont dans la continuité effectivement de ce qui se passe au sein de la trilogie. L'autre série, qui est une série sur laquelle je m'amuse particulièrement en tant qu'éditeur, c'est une série que nous avons choisi d'intituler Star Wars Icon. Et Star Wars Icon est une série qui comporte des récits complets à chaque fois, qui sont dédiés à un personnage iconique. On l'aura bien sûr remarqué compte tenu du titre de la série, personnage iconique de l'ensemble de la saga des étoiles. Et on a commencé par rendre visite effectivement à Han Solo, on a poursuivi avec la princesse Leia, on a travaillé avec Luke Skywalker dans le tome 4, on a un tome 4, on a un album qui est intitulé L'Arnaque Rebelle et qui est scénarisé par Matt Kahn et qui va permettre de regrouper l'ensemble des personnages principaux de la rébellion, Chewbacca, Leia, Luke et Han Solo. Et puis un petit 5e dont on présente ici en exclusivité la couverture et qui est prévu d'ici la fin de l'année. Je ne vous donne pas le programme précis de publication, mais ça vous les verrez, je verrai en suivant sur l'ensemble des sites qui vont relayer les informations. Merci Fred. On a un album qui est dédié, qui est celui intitulé Anne, Lando et Boba, qui va regrouper un certain nombre de récits entièrement tous dessinés par un artiste qui tient particulièrement à cœur, qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelle Carlos Meglia, qui est un artiste argentin et qui a travaillé en l'occurrence sur un récit que je
super turbulent que je ne peux que vous conseiller, dans laquelle effectivement un certain nombre de contrebandiers, comme le titre de l'album, se lancent à la poursuite d'un artefact, parce que effectivement les castes des différents potes ont choisi de les lancer tous sur cette piste-là. Donc c'est turbulent, on voit derrière un solo un peu qui prend un peu les choses en main. Et Boba Fett égal à lui-même, donc c'est un vrai honneur de pouvoir représenter ce récit qui fut en son temps pré-publié en épisode dans les magazines que nous avons eu le plaisir d'éditer. Et voilà, Anne Bango et Boba arrivent d'ici la fin de l'année dans les librairies. On a également, je crois que vous l'avez remarqué, si vous suivez l'actualité comics, notamment chez Delcourt, travailler sur tout un programme intégral depuis maintenant plusieurs années. Et ce programme intégral va se poursuivre avec notamment, sur la fin d'année dernière, effectivement, un volume qui m'apparaissait indispensable sous cette forme-là, parce que c'était un récit complètement à part qui couvrait l'intégralité justement de la chronologie de l'univers Star Wars. Ça a été Vector, où on part de la période située bien avant, plusieurs milliers d'années avant, les films dans l'Ancienne République, et on atterrit jusque dans l'univers Legacy, qui lui se situe bien après les films. On a en préparation pour très bientôt, puisque c'est pour juin-juillet, j'ai plus la date exacte de publication en tête, une première intégrale consacrée à Boba Fett, qui est probablement un personnage qu'on est amené à revoir dans l'ensemble des films en préparation par nos amis de chez Disney. Et cette première intégrale va regrouper en particulier tous les récits qui furent dessinés à la palette numérique par Chris Carroll. C'est vraiment superbe et c'est scénarisé par Tom Taylor, qui par ailleurs est le scénariste de Injustice chez DC Comics. Star Wars classique. Ça aussi c'est un bébé qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est une série qui est prévue en 3 tomes, en 10 volumes, et qui regroupe, qui va rééditer en l'occurrence l'ensemble des épisodes qui en leur temps, à la fin des années 70 et au cours des années 80, furent publiés par Marvel, qui est le premier éditeur aux États-Unis à disposer de la licence comics. Et cette série titulée Star Wars Classique reprend dans leur chronologie qui est complètement rééditée et complétée de récits entièrement inédits qu'on est allé chercher dans les archives, par exemple de Marvel UK, qui avait publié un certain nombre de récits matériels inédits qui n'avaient jamais vu. Qui n'avait eu jamais l'honneur d'une publication en France. On complète donc cette série avec notamment au cours de l'année 2017 un tome 6. Et c'est une série qui va se poursuivre, je vous dis, jusqu'à au moins une dizaine de tomes. Star Wars X-Wing Rogue Squadron, c'est pour moi l'occasion de reparler de notre ami Gary Erskine, puisqu'il est l'un des principaux auteurs ayant officié sur cette série. C'est une série qui a déjà existé sous la forme de 11 volumes en publication librairie et que l'on a regroupé, réédité cette fois-ci, effectivement, légalement dans l'ordre chronologique, sous la forme de deux intégrales. La deuxième intégrale vient tout juste de sortir et c'est une série qui sera prévue en 4 volumes. Les albums jeunesse. Alors ça, c'est un pan entièrement nouveau des publications Delcourt depuis maintenant un peu plus de 2 ans. On va regarder un petit peu ce dont il s'agit. Je vous présente ici les toutes dernières publications au sein de ce label, entre guillemets, puisque ce sont des albums au format jeunesse, format A4, si vous voulez, pas forcément au format comics, avec du matériel qui est entièrement inédit et qui va présenter tout particulièrement des adaptations de l'ensemble des films. Donc à ce jour, on a les épisodes 1 à 6 qui sont entièrement disponibles. Le 7, on l'attend, d'accord, il va arriver très 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 vite. Et puis on a également Rogue One qui est présenté ici, qui sera l'objet d'une publication de cet ordre-là. Alors c'est ce qu'on appelle du matériel grand public, qui est extrêmement accessible. Et je dois avouer que j'ai été extrêmement agréablement surpris de découvrir la qualité qui avait été apportée à la réalisation de ces albums. Et c'est vraiment des albums intergénérationnels. C'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité, lorsqu'on est un fan de longue date de Star Wars, d'ouvrir ces volumes, d'avoir des récits complets qui reprennent l'ensemble des récits des films eux-mêmes, et puis d'y intéresser soit ses propres enfants lorsque l'on a, ou un public entièrement plus jeune, et qui lui n'est pas forcément intéressé par les adaptations des films qui sont
sont réservées effectivement à un public un peu plus adulte. Là, on a un vrai bon travail de bande dessinée qui est réalisé par des studios italiens qui travaillent avec Disney, qui sont les équipes de Disney, et on aura probablement la chance d'accueillir ces auteurs-là également en dédicace. Ils sont déjà venus une première fois en France, mais ça va se refaire. Ça ne s'est pas fait sur le Q7 cette année, mais rien n'empêche de penser qu'ils seront présents sur d'autres manifestations où on va les inviter. On va juste rester sur la salle précédente, puisque je voulais quand même également évoquer la publication en toute fin d'année. Là aussi, une petite intégrale, puisque ça va être la reprise 40e anniversaire de Star Wars Oblige, puisque vous savez sans aucun doute qu'on fête en 2017 le 30e anniversaire de la publication, de la sortie du film qui a tout lancé au sein de la saga, un nouvel espoir. Un film qui, lorsqu'il est sorti en France en octobre 1977, ne s'appelait pas du tout un nouvel espoir, ça s'appelait pas du tout Star Wars, ça s'appelait simplement La Guerre des Étoiles. Mais en l'occurrence, dorénavant tout ça s'appelle bien Star Wars et on va regrouper sous forme d'un album qui va faire pas loin de 200 pages l'ensemble des trois adaptations en version jeunesse dont je viens de parler, les épisodes 4, 5 et 6. On a également la série Star Wars Rebels, qui est une série qui se poursuit avec cette année trois tomes en tout qui auront été publiés, un tome 5 en début d'année, un tome 6 très prochainement, qui est tout juste de sortir, en fait tout ce qu'on a reçu de chez l'imprimeur, je connais la date exacte de publication, et un tome 7 qui va plutôt une couverture qui est en cours de validation chez Disney pour tout vous dire, voilà, et qu'on a le plaisir de vous présenter ici parce qu'il arrivera effectivement sur la deuxième partie de l'année. Voilà pour la jeunesse, mais aussi, oui, parce qu'on ne s'arrête pas là, on a eu l'occasion, et je l'ai évoqué à l'instant, avec ce 40e anniversaire de la célébration de Star Wars, la possibilité de présenter, les couleurs sont pas les mêmes, c'est pas les bonnes, hein. Ou alors on a sorti les fluos, là, on a sorti les stabilos. Ça c'est lié au transfert malheureusement des fichiers, donc si vous voulez disposer des fichiers dans leur... dans les visuels définitifs, vous les faites passer, il n'y a pas de problème. On a pour cette année deux manières, je dirais, de célébrer ce 40e anniversaire en présentant deux éditions vraiment spéciales qui sont dédiées à ce 40e anniversaire. Vous voyez, elles sont logotypées 40e anniversaire, dans les petites boulettes en haut à droite pour le premier, en haut à gauche pour le deuxième. On a une édition spéciale effectivement du Nouvel Espoir jeunesse et qui est complétée par un cahier extrêmement conséquent puisqu'on a un album qui en tout va faire 120 pages. De tous les secrets de fabrication justement de cette version jeunesse de l'édition d'Un Nouvel Espoir, avec une nouvelle couverture, avec la manière dont les créateurs ont travaillé sur les décors d'une part, la réalisation des vaisseaux, quelles sont les recherches qui ont été faites sur les différents personnages, en avant plein de détails qui sont justement là, destinés aussi aux amateurs et qui vont pouvoir voir de quelle manière les artistes travaillent lorsqu'il s'agit de générer une adaptation d'un film extrêmement codifié comme c'est le cas pour l'ensemble de Star Wars. L'autre, l'autre édition spéciale que j'attends assez sincèrement chez l'imprimeur, c'est un petit peu un kiff de gosse. Voilà, on s'est dit que l'une des meilleures manières, une des plus belles manières de célébrer Star Wars qui a été sorti sur les écrans en 77, c'était de reprendre le matériel d'origine de la toute première adaptation de ce film, en l'occurrence Star Wars Un Nouvel Espoir, qui a été publié sous cette forme-là d'ores et déjà à plusieurs reprises. Tout d'abord, au sein du tout premier album systémique à l'époque, puisqu'on est en 77, un album de couverture qui a été dessiné par Jean-Yves Mitton, et dont l'ensemble des 6 épisodes était réalisé par Tom Palmer, par Ward Shaking et Steve Ayola, écrit par Roy Thomas. Donc des légendes en fait de la bande dessinée américaine, on s'est dit on va reprendre ce matériel-là, non recolorisé, entièrement de la manière dont il avait été à l'époque fait, simplement pour un petit twist et pour un clin d'œil, on s'est dit on va le publier en 3D. Donc on a eu l'autorisation de Disney de travailler sur la modification du matériel d'origine pour vraiment avoir un effet 3D, puisqu'aujourd'hui les techniques sont quand même beaucoup plus au point que vous l'êtes il y a quelques années. Et cet album qui est une grande édition spéciale pour faire un clin d'œil et honneur en fait à ce qui nous fait tous un petit peu kiffer, à savoir Star Wars, sortira très bientôt, fourni bien sûr avec les lunettes 3D, d'accord, pour pouvoir suivre les aventures comme à l'époque, comme on l'avait découvert au sein des salles obscures en 77, pour les plus anciens d'entre nous. Moi je fais partie. Alors, on en arrive maintenant au futur. Ah, de quoi on va parler ?
Je précise tout à l'heure, je précise parce que tout ça est du conditionnel. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas si ces choses-là font partie de ce qui est intervenu, on l'a juste montré, on en va pas pourri. C'est quoi le futur? Le futur, potentiellement, c'est un certain nombre de choses qui, bien entendu, vont nous permettre de poursuivre les efforts déjà menés depuis 2 ans à travers un certain nombre de publications. J'ai évoqué les suites de séries, bien entendu. On va encore avoir, on a énormément de matériel en fait encore disponible de manière à pouvoir nourrir des séries telles que la série Star Wars Icônes. Et puis, il y a aussi matière à aller chercher autre chose. Alors, ce que je vous présente ici, c'est pas des choses qui sont forcément des choses qui seront publiées par Delcourt, encore une fois, pour les raisons de culture. Je voulais insister parce que c'est vraiment très important. Ça ne veut pas dire que sur la salle suivante, ces choses-là, vous les verrez prochainement. Simplement, c'était l'occasion aujourd'hui, puisqu'on est dans une logique un peu d'ouverture sur le futur, de présenter des choses qui sont du matériel, pour la plupart, resté inédit ou bien épuisé depuis très longtemps. On aurait la possibilité, effectivement, de publier en France. Alors, c'est des choses que nos amis de Panini sont parfaitement aware, vraiment, très tout à fait au courant de ce qui est présenté aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, lors du CUT aux États-Unis, à Chicago, a été annoncé une nouvelle licence jeunesse qui s'appelle Star Wars Adventures, qui a été publiée aux États-Unis par IDW, donc, ce qui veut dire que Marvel ne publie pas tout le matériel inédit aujourd'hui aux États-Unis, mais qu'il y a également du matériel jeunesse qui sort chez IDW. On a une couverture ici qui est spéciale 40e anniversaire, qui s'intitule The Rise of Hero, qui est un album un petit peu particulier parce que c'est un album qui est situé entre l'album de prose et l'album de bande dessinée. C'est une vraie graphic novel au sens premier où on entend, c'est-à-dire vraiment un texte en prose accompagné d'une 50aine d'illustrations. Ces illustrations sont l'œuvre d'une part en co-dessin de Walt Simonson, un auteur qu'on a suivi depuis très très longtemps puisqu'il participe notamment aux épisodes qui sont en cours de publication dans la série Star Wars classique, à l'ancrage Tom Palmer, qui avait été l'un des invités QC il y a quelques années, et qui a priori va refaire un tour en France en octobre prochain, puisqu'il est invité par le festival de Jean Méritou. Et à l'écriture, on retrouve à la fois Walt Simonson et son épouse Louise Simonson, qui elle-même en son temps a été un peu scénariste et surtout éditrice des comics Star Wars chez Marvel lors de la première époque. Donc ils ont fait appel en fait à une équipe de vétérans, mais qui connaissent extrêmement bien les comics Star Wars et les comics classiques. Et cet album sortira au mois de mai, au moment de la célébration, vraiment du 40e anniversaire. Voilà. Donc ça peut faire l'objet effectivement de l'adaptation en France. Oui, bien sûr, on est intéressé. Voilà. On n'en dit pas plus à ce moment-là. Et puis j'ai égrené un certain nombre d'autres récits qui aujourd'hui peuvent faire l'objet de publications ou de republications en album. J'ai choisi notamment Splinter of the Mind's Eye, qui était une des premières adaptations d'un roman Star Wars en bande dessinée publié par Dark Horse dans les années 90. Ça fera l'objet d'un album également chez nous. Tout comme Warrior of Chaos, qui est un récit également qui fut, en ce qui concerne le Delcourt, pré-publié dans un certain nombre de magazines il y a maintenant de nombreuses années. Donc, c'est des récits qui sont un peu perdus, oubliés, que beaucoup de lecteurs n'ont pas vus et qu'on nous a même pouvoir présenter dernièrement en librairie. Star Wars Manga, que j'avais le plaisir déjà de publier il y a quelques temps, on est en train de travailler sur la possibilité, effectivement, de représenter à nouveau ce matériel-là. Et puis il reste derrière pas mal de matériel aussi classique, puisque nous avons à la fois les strips traditionnels publiés en noir et blanc dans les journaux aux États-Unis, écrits par Archie Goodwin, dessinés par Williamson, notamment Ross Money, et puis leurs versions qui ont été remises en forme en version comics, qui peuvent tout à fait rejoindre une nouvelle série. Donc, ce que je vous présente là, again, c'est pas forcément le programme des cours, mais ça montre juste une chose avant tout, c'est le nombre assez infini, assez large de possibilités qui nous est offerte aujourd'hui pour continuer à poursuivre l'aventure. Voilà. On n'oubliera pas, bien entendu, parce que c'est très bientôt que ça va se passer, cette célébration maintenant habituelle et rituelle de Star Wars lors du 4 mai. C'est au cours de la semaine prochaine, et puis c'est pris entre deux feux, je dirais, parce que le 4 mai chez nous, notamment cette année, il est pris en tenaille entre ce gros événement qu'est Génération Star Wars, auquel vous êtes habitués, et là où vous venez depuis maintenant de nombreuses années, et puis le Free Comic Book Day, un autre événement qui met en avant pas mal les comics, et notamment les comics Star Wars.
en France, qui existe maintenant depuis quelques années. C'est un événement qui existe depuis plus d'une décennie aux États-Unis, qui commence à prendre de l'ampleur, particulièrement cette année. En revanche, c'est l'occasion, bien entendu, de reparler de comics et de comics Star Wars à ce moment-là. Voilà, j'en ai un petit peu terminé pour la partie, on va dire, didactique de cette présentation et de cette petite rencontre en ce qui concerne la réponse qui était posée au départ, à savoir est-ce que l'univers légende est plus intéressant. Je pense que vous en êtes convaincu encore. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui sur le marché français est assez exceptionnel. En discutant avec un certain nombre de partenaires aussi de Disney sur la licence Star Wars partout dans le monde et en particulier sur d'autres pays européens, on se rend compte que les lecteurs français aujourd'hui sont vraiment les lecteurs les plus vernis parce que c'est eux qui disposent de l'offre la plus large possible. Il y a extrêmement peu de pays aujourd'hui où on retrouve deux éditeurs concurrents mais néanmoins amis qui travaillent sur la même licence et qui peuvent se permettre justement d'être complémentaires pour vous offrir à la fois le meilleur de ce qui peut exister de plus de 40 années quasiment de comics en cours, avec notamment des inédits, hein, puisque j'ai parlé tout pour Rap Jeunesse notamment. Et puis, eh bien, tout ce qui a été généré comme matériel, ce qui continue à être généré comme matériel par les studios Marvel aux États-Unis et que exploite aujourd'hui en France, Panini. Voilà. Donc, je pense que. Il n'y a jamais été, il n'y a jamais eu meilleur moment en fait en France pour être fan de Star Wars et notamment de fan de comics Star Wars parce que l'offre qui vous est offerte elle est pléthorique, ça vous permet d'aller chercher exactement ce que vous préférez, soit du vintage effectivement avec Star Wars classique, soit des récits beaucoup plus récents, soit des adaptations de films et ça on a effectivement pas mal de choses chez nous en publication, soit un programme jeunesse qui est non négligeable et sur lequel on travaille beaucoup aussi chez Delco. Chaque lecteur, chaque tranche d'âge peut être intéressé effectivement à l'univers Star Wars en termes de bande dessinée, à la fois avec ce que nous proposons aujourd'hui et puis ce qui est proposé également par les autres éditeurs sur ce marché. Ça permet d'ouvrir maintenant aussi cette petite présentation à vos questions, si vous en avez. Voilà. Notamment les questions pièges auxquelles je ne vais pas m'en faire, je ne répondrai pas. Oui, c'est ça. Je n'attendais pas mon livre. Non, je t'en prie. Si tu devais conseiller un album, ce serait lequel ton préféré en fait ? Le prochain, ça c'est la pirouette classique. Non, en l'occurrence, si je devais en conseiller un, peut-être plus pratique, c'est plus facile de conseiller une série en fait aujourd'hui parce qu'il y a une thématique qui est développée et il y a aussi des auteurs qui sont attachés. Je dois avouer un soft spot, comme on dit en anglais, enfin une tendresse particulière pour une série qui s'appelle Dark Times. Parce que je trouve qu'elle est une qualité dans sa réalisation qui est assez impressionnante. Elle est notamment écrite par Andy Stradlet, qui a été l'éditeur pendant une trentaine d'années en gérant des comics Star Wars aux États-Unis chez Dark Horse. Pour la petite histoire, il a signé bon nombre de ses albums d'un pseudo, parce qu'il ne voulait pas que son nom apparaisse à la fois en tant qu'éditeur et en tant que scénariste. Randy est à la fois une personne humainement de grande qualité, et ça se ressent dans la qualité des récits, de ce qu'il est capable de proposer. Et puis, je l'ai déjà évoqué, c'est une série qui est tout particulièrement portée par le dessin exceptionnel en termes de qualité de Doug Watley sur au moins trois albums et demi au sein de la série. Et cet artiste est juste exceptionnel. Alors on vit dans une époque où les mots perdent un peu de leur importance parce qu'on a tendance à les galvauder. Doug est un artiste exceptionnel. Voilà. Et ça fait de cette série quelque chose qui, pour répondre à la question d'Aurélien, ouais, une question que je te retourne d'ailleurs par ailleurs, qu'est-ce que tu préfères au sein de la série, au sein de la petite publication Star Wars en comics hein? C'est un dialogue des cours Panini. Moi, je crois que j'ai vraiment beaucoup aimé Han Solo. Chez vous, ouais. Je vois ce que c'est d'accord, c'est bien. Et sinon, mon soft spot, il va vers les marques classiques. Oui, on en a déjà parlé, ouais, effectivement. Moi aussi, c'est évident, mais j'ai grandi avec le phénomène Star Wars au sein de cette série initialement publiée chez Marvel dans les années 70 et 80. D'avoir la chance aujourd'hui de pouvoir bien faire une belle édition qui reprend l'intégralité de ces
ces 107 épisodes plus que 3 annuels, sans parler du matériel publié au cours de cette période par Marvel UK. C'est assez exceptionnel et j'ai d'ores et déjà travaillé sur les layouts et les chemins de fer, les 10 albums, parce que je voulais vraiment avoir quelque chose qui soit rond, soit complet et qu'on boucle en 10 albums et qu'on aura l'intégralité de cette série présentée sous cette forme-là. Je suis vraiment ravi et je comprends ton soft spot. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Le micro est donné à la reine. Avant la guerre et en deux voies, est-ce que vous pensez qu'il y aura un après la guerre?
À la bonne guerre, eh bien, il y a eu en l'occurrence un album très récemment publié, oui, qui fait partie de Naguère les étoiles. Alors j'ai pas le titre en tête également. Mais c'est en l'occurrence, les auteurs se sont attaqués à la trilogie, voilà, avec un premier album. Donc rien n'empêche de penser qu'il y aura une Naguère les étoiles qui va au-delà de la menace fantôme, en fait, avec la clown et avec la rouge des cidres, parodie bien entendu. Je pense que c'est le réveil de la force de la tournée. On y viendra probablement à un moment donné, puisque voilà, la série vient de se relancer avec la série Naguère les étoiles vient de se relancer. Forcément, effectivement, il y a matière à pouvoir développer ça. Ok. Aurélien, votre question. Écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier. Ah, vous avez une question, non, monsieur? Non. Ah non, c'est moi aussi, je suis fatigué. Je vous remercie beaucoup.